Coucou tout le monde. J'ai quelques petites minutes d'avance. Je patiente le temps de finir. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou. Comme quoi vous êtes avec moi, voir si tout fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de bug aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Alors, qui j'ai avec moi aujourd'hui? Hello Virginie. Est-ce que tout le monde va bien? Il fait gris chez nous aujourd'hui. Il n'a plu, mais je ne sais pas comment cette nuit, c'était horrible. Hello Nathalie. Alors moi aujourd'hui, je vais vous présenter la collection Je t'aimerai toujours, qui est tout simplement sublime. Bonjour Morgane. Le son n'est pas top, il y a un grésillement. Ah oui, alors. Attends, j'essaye de faire. Dis-moi si c'est mieux, dites-moi si au niveau du son c'est bon ou est-ce que je le retire le micro parce que j'ai l'impression qu'il bug. Il y a toujours un petit grésillement ou pas au niveau du son? Coucou à toutes celles qui arrivent. Alors, nous, il pleut. Bah oui, ça, je pense que c'est tout le monde en ce moment-là. C'est horrible le temps comme ça. On n'aime pas trop ça. Coucou Virginie. Hello les filles. Alors, je dis hello les filles, mais des fois, il peut y avoir des garçons. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à parler au féminin. Ça marche toujours. Ça marche. Le micro ne fonctionne pas bien. Coucou Odette. On entend un grésillement. Alors attendez, je vais le retirer. Je ne sais pas, j'ai un bug avec. Et là, et si je l'enlève, est-ce que vous m'entendez quand même? Est-ce que vous m'entendez bien si je le retire? Juste pour savoir si je le garde ou pas, parce que. Non, toujours un grésillement. Là, il n'y a plus le micro, hein. Donc il doit y avoir quelques minutes de décalage. Là, j'ai retiré le micro, donc vous me dites, hein. S'il y a toujours un grésillement. Ça grésille, alors ça ne vient pas du micro. Je ne sais pas d'où ça vient, mais vous m'entendez quand même? Beaucoup mieux sans le son du micro. Ok, oui, on t'entend. Super, donc je vais parler un peu fort, comme ça vous allez bien m'entendre. J'ai tendance à parler pas trop fort quand je n'ai pas de micro, mais il n'y a plus de grésillement. Donc ça vient bien du micro. Ok, super. Merci pour l'information. Donc, super. Alors aujourd'hui, on va juste réaliser, vous avez vu dans le. Je vais tourner le téléphone comme ça. Quoi, moins bien? On m'entend moins bien? Ok, d'accord. Ok, bon, je tourne le téléphone. Et vous me direz pour au niveau de la lumière, de la vue. Je vais essayer de voir. En ce moment, j'ai. Voilà. Alors, déjà, si je me mets comme ça, est-ce que au niveau de la lumière, ça vous paraît bien? Hop. C'est mieux avec le micro pour toi? Ok, là vous voyez. Alors, je vais faire un dernier essai. Les filles, bah, vous allez être les. Les cobayes, hein, tant pis. Excusez-moi, mesdames. Lumière, ok. Alors, plan de travail, ok. Lumière, ok. Donc, est-ce que je refais une tentative de micro pour voir? Je ne sais pas pourquoi. Allez, je vais brancher une dernière fois le micro. Vous me dites toujours un grésillement. Pour la netteté, la lumière, c'est bon, c'est super, nickel. J'ai mis. Ok, là, j'ai rebranché le micro. Si vous pouvez me dire si ça fonctionne avec. Il n'y a pas de grésillement qui se passe. Là, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi ça grésille. Je pense que il va falloir que je le change. Son, ok. Ok. Donc, je voulais. Grésillement, ok. Il vous gêne le grésillement, je le retire ou je garde le micro?
Mieux sans le micro. Okay. Parti. Je vais essayer de parler un peu plus fort. J'ai retiré le micro. Je vais parler un peu plus fort. Je vais crier, il n'y a personne à la maison. Donc voilà. Pour celles qui ne me connaissent pas, moi je suis Nadia Lansereau. Je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up à Annette. C'est mieux sur le micro, ok. J'ai une boutique le Stampin' Up en ligne. Donc grâce aux réseaux sociaux, même si on est loin, on peut toujours passer des commandes. Vous avez le code hôtesse du mois de janvier qui est là. Et sur mon blog www.désirdescrap.fr, vous avez plein de tutos. Je suis en train de parler et de lire en même temps, donc c'est super. Bon, merci beaucoup les filles, c'est super. Donc voilà, les nouvelles qui arrivent sur ma page Désir de Scrap et qui ne connaissent pas Stampin' Up ou qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à me contacter en privé. Parce que je pense que là, pour la plupart, ce sont des habitués. Donc si vous vous sentez un petit peu à l'ouest, n'hésitez pas de me dire. Et comme ça, je vous expliquerai tout ça en privé. Donc, moi aujourd'hui, j'ai pris la décision de vous présenter la collection « Je t'aimerai toujours » qui est tout simplement sublime. C'est mieux sur le micro. Ok, super. Elle est vraiment sublime. Vous avez plein de créations avec. Alors, moi, j'ai tout sauf un truc parce que... Alors, j'ai les boîtes, on va travailler avec les boîtes, le ruban, les embellissements. À fur et à mesure, je vous montrerai ce que j'ai. Le seul truc que je n'ai pas dans cette collection-là, c'est ce set de tampons que je n'ai pas pris avec, qui est assorti aussi au reste. Et puis, il y a des découpes avec, mais celui-ci, je ne l'ai pas. Ok. Bon, je vais essayer de trouver une solution pour régler le problème du micro assez rapidement. Donc voilà, moi c'est la collection que je voulais vous montrer aujourd'hui. Pour ça, j'ai fait des petits panneaux avec les collections de papier. Donc, j'ai pas eu le temps de créer vraiment grand chose avec, mais par contre, voilà. Ici, vous avez les papiers, donc ceux-là, qui sont très très jolis, que vous pouvez coloriser, d'accord? Et les petites bandes que j'ai mis ici, ce sont les rectos des papiers, d'accord? Ici, vous avez les papiers métallisés qui sont sublimes. Vous avez fleurs de cerisier, rose rococo et sable du Sahara qui sont assortis avec nos papiers là, qui sont un peu brillants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, comme ça, normalement, oui. Ça brille bien. Et je vous ai mis ici les assortiments des papiers qui vont bien avec ceux-là. D'accord? Ici, vous avez le ruban qui est recto verso. Donc, je ne sais pas si on s'en rend compte, il est un peu pailleté de ce côté-là. Et dès qu'on le touche, on sent bien des petits grains. Et il y a le recto qui est là. Donc, on peut l'utiliser dans les deux côtés. Les petits embellissements, les petits cœurs qui sont là, qui sont sublimes. Elle est vraiment très jolie, cette collection. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, vous avez aussi les petits embellissements noirs, là, les petits pois là, à coller. Je trouve que comme ça, on se rend un peu plus compte que sur le catalogue. Voilà. Et ensuite, on va passer à tout ce qui est découpe. Donc ici, vous avez toutes les découpes, les tampons. Donc ici, c'est toute une découpe. Quand on la découpe, il y a le cœur au milieu qu'on peut récupérer. Soit on le met, soit on ne le met pas. Vous avez toutes les petites découpes là. Et à savoir que ceux-là... Elles sont raccordées à celle-ci, c'est-à-dire que vous pouvez les superposer aussi au-dessus. Ça fait un joli rendu. Vous avez cette banderole-là qui se plie sur les côtés. Bonjour à toutes celles qui arrivent, je viens de voir là, il y a du monde qui arrive. Super. Donc les petits mots. Et alors ici, sur cette bande-là à découper, c'est génial. On peut récupérer les petits cœurs. Alors je me suis amusée ici aussi avec cette bande. De récupérer quelques petits cœurs. Je ne sais pas si vous voyez bien, bien. Alors, pour les récupérer, ça n'a pas été compliqué. On peut croire que si, mais non. J'ai collé un double face tout simplement sur mon carton. Et avec mon outil touche à touche, je suis venue récupérer tous les morceaux de papier que j'ai collés directement sur le double face. Donc là, c'était hyper simple. Et voilà ce que ça donne pour le reste, les découpes, les tamponnages. Alors, ce qui est bien, moi, j'aime beaucoup, je ne sais pas vous, mais moi, j'aime énormément les tamponnages qui se font en deux fois. Donc, pour le projet, moi, j'ai déjà tout préparé, mais je vais vous montrer. Hop, vous avez toujours un tampon comme ça, donc vous pouvez l'utiliser comme ça. Et puis, celui-ci qui va venir servir à coloriser et faire le fond comme ça. Et moi, ça, j'adore.
Je vais vous montrer après comment on fait. C'est génial. Donc, ça marche pour ce feuillage. Ça marche pour les petits cœurs aussi. Donc, en deux fois. Tout cela aussi. Tous ceux qui sont colorisés comme ça. Et moi, je trouve ça super d'avoir deux différents. Un en tamponne et un en colorise. Alors aussi, quand on travaille cette technique-là, ce qui est vraiment top, c'est de travailler avec la même encre pour montrer qu'on n'a pas besoin de 50 produits. Donc là, je vais vous faire la démonstration pour ceci. Et puis, on va attaquer la petite boîte. Donc, par exemple, pour le feuillage, je prends une seule encre, d'accord? Là, j'ai pris en l'occurrence la vert olive. Hop, je vous montre vite fait ce que ça donne pour celles qui ne connaissent pas. On vient ancrer notre tampon. On le tamponne comme ça. Donc, on peut le laisser comme ça. Et on peut prendre la décision de réancrer comme si on voulait coloriser. Mais alors, je garde une chute à côté de moi. Et je viens tamponner sur ma chute une fois, deux fois. Et la troisième fois, alors là, j'ai un petit quelque chose dessus. Attendez, je recommence. Donc, je recommence. Hop, on ancre le tampon. On tamponne une fois sur un brouillon, une deuxième fois sur un brouillon. Et moi, la troisième fois, je viens me superposer comme ça au-dessus. Et comme c'est transparent, on voit très bien à travers. Hop. On tamponne. Et on n'a utilisé qu'une encre. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous parle? Voilà, comme ça, on n'a pas besoin. On a tendance à dire prendre un verre plus foncé, moins foncé. Bonjour Christelle. Donc, il n'y a pas besoin. On travaille avec la même encre. Et c'est pareil si on voulait faire la fleur. Peu importe les fleurs. Ça, je vais le mettre de côté maintenant que je vous ai montré ça. Donc, c'est pareil pour la fleur. Je vais prendre par exemple le rose rococo là. Hop. Je vais venir dans un premier temps ancrer. Alors, je ne sais pas si. Je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Donc, j'ancre là mon premier tampon. Je reste à côté de ma chute et je viens réancrer avec mon tampon ancrant à côté. Hop, je me mets ici. Je le fais une fois, deux fois. Donc, toujours avec la même ancre. Et la troisième fois, on voit très bien ici qu'on peut très bien. On n'a pas besoin, là, pour le coup, on n'a pas besoin forcément du Stamparatus. C'est juste pour vous montrer, pour celles qui ont des blocs et qui n'ont pas le Stamparatus. Et voilà l'effet. Donc, en n'utilisant qu'une seule encre. Donc, c'est pas mal. D'accord? Donc, là, je vais relever un petit peu encore pour me remettre mieux. Comme ça, là, vous avez bien vu la petite technique. Ensuite, je mets mes encreurs de côté. J'en ai que 2 secondes. Hop! La petite boîte, elle est là. Voilà. C'est une petite boîte très simple, donc qui est au catalogue, qu'on voit pas forcément. Là, elles sont à la page 11 du catalogue, ici. Et on voit à l'arrière du. Ici, on a un exemple de ce que ça peut donner. Donc voilà. Donc moi, je l'ai préféré la faire en sable ici, sable du Sahara, dans la même couleur, j'ai tout fait tomber. Et j'aurais même pu, si je voulais, utiliser le nouveau fil là, enfin le nouveau ruban là, il va bien avec. Je ne l'ai pas mis, mais c'est vrai que si on veut, on peut les accorder ensemble. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc la boîte, elle est comme ça, elle ne se colle pas, c'est que du pliage. Donc, je vais vous montrer tout ça tout de suite. Je prends la boîte. Donc, elle est comme ça. Il y a déjà un premier support qui est là. Est-ce que je vais. Tu l'avais pas vu? Tu n'avais pas vu les boîtes, Virginie? Moi, j'adore. Et elles sont assez grandes. Voilà. Elles sont assez grandes. Et ce qui est bien, c'est que celles-là, sincèrement, quand on veut faire. Elles sont cartonnées aussi. Elles sont assez solides. Quand on a envie de faire même un calendrier de l'Avent pour l'année prochaine, il faut le prévoir maintenant, d'acheter les boîtes et de les garder. Ouais, on ne voit pas forcément bien, mais page 11.
Donc voilà. Elles sont vendues. Alors, vous avez les numéros sur le catalogue ici, numéro 4. Vous cherchez ici numéro 4. Donc, c'est les boîtes à friandises de la collection Je t'aimerai toujours. Il y en a 10 dedans et elles sont à 11 euros. Donc voilà. Et puis voilà. Et puis moi, je vais continuer ici. Alors. Et je disais que le ruban qui ne se voit pas ici à la page 33, là, qui est numéro 4, ruban Beaux-Arts, c'est celui-ci. Alors, je ne sais pas si vous le voyez mieux, attendez, que sur le catalogue, parce qu'il est vraiment très très joli. Et il va très bien avec cette collection-là. Il est vraiment très très beau. On aurait même pu le mettre avec. Vous avez vu, hein? Ok, c'est vrai que sur le catalogue, bah moi, des fois, je passe à côté des choses. Je pense qu'on est un peu toutes pareilles. Donc, on a la petite boîte là que je vais pas ouvrir tout de suite. Je vais déjà coller mon papier dessus. Et on a la deuxième qui est là, qui est comme ça. Donc, elles sont vraiment dans les boîtes comme ça. Elles sont pliées juste comme ça. Ok, elles sont superposées comme ça dans le carton. Et ça nous fait une boîte. Ok? Donc là, dans un premier temps, j'ai prédécoupé mes papiers. Voilà. Ils font 10 par 6 et demi. Donc, je vais en coller un ici. Déjà, dans un premier temps. Avant d'ouvrir ma boîte, ça va faciliter le travail. Hop, je mets de la colle. Et je vais venir le coller là. Donc, vous m'entendez toujours bien, hein, les filles. Hein. Là, je travaille sans micro. Je pense que je vais réinvestir sur une autre perche pour tenir le téléphone et un autre micro. Voilà. Et je vais coller le deuxième de ce côté-là. Alors, petite astuce que je ne dois pas oublier de vous dire. Une fois que la boîte est pliée, ça, vous allez voir. Pour le moment, je ne fais que coller mes papiers qui sont 10 par 6 et demi. Donc, voilà. Puis c'est vraiment solide. Et je viens en coller un ici. Hop. En montant bien. Super. Et un deuxième ici. Voilà, comme ça, mon papier est collé autour de ma boîte. Hop. Alors moi j'ai l'impression qu'on ne voit pas très bien parce que j'ai pas beaucoup de lumière du coup comme j'ai mis un carton devant ma fenêtre. Mais si vous voyez bien c'est nickel. Voilà. Donc là c'est collé pour le moment, je le mets de côté. Après je vais venir prendre la boîte que je vais déplier comme ça et je vais commencer à marquer les plis de pliage. Donc ici je vais remonter un petit peu peut-être comme ça. Hop, je remonte un petit peu. Ici, on va marquer. Donc, il y a déjà un premier pli qui est marqué là. Je vais marquer mon deuxième pli comme ça. D'accord? Là. Après, ici, je vais marquer un pli comme ça. Parce que l'idée, c'est vraiment de. Et celui-ci, en sens inverse, si je ne me trompe pas. Donc voilà, il y a des plis. Hop. Est-ce que vous. On entend très bien. Super. Est-ce que vous arrivez à bien voir ce que je fais? De toute façon, après, même si vous vous trompez, ce n'est pas très très grave parce que il n'y a rien de collé. Donc celui-ci, comme ça. Hop. Parce que moi, je ne vois pas très bien là sur. Sur le téléphone, j'ai l'impression sur mon image qu'il n'y a pas beaucoup de lumière quand je regarde dessus. Voilà. Donc, hop. C'est comme ça. Et peut-être que je me suis trompée. Je ne sais pas. Je vais voir. Hop. Hop. Et ici, il y a une petite ouverture hein, qu'il y a là. Vous la voyez? Vous voyez très bien. C'est génial. Donc l'idée c'est de venir abattre nos ça à l'intérieur, les deux premières, les languettes à l'intérieur, comme ça.
de venir prendre le côté qui est là. En fait, là, j'ai fait dans le mauvais sens le premier pli, vous voyez. Hop. Voilà. Et les petits rabats, ils vont être à l'intérieur comme ça. Mais une fois que tout est monté, ça va se stabiliser. C'est un peu galère au début quand on ne connaît pas. Mais ça se monte assez facilement. Et puis ça fait... Il n'y a pas besoin de colle. Vous n'avez pas besoin de double face, ni de colle, ni de quoi que ce soit. Ça, c'est génial. Hop, et j'ai mon troisième là qui va maintenir. Alors attendez, j'ai tendance à le mettre. Hop. Je le prends vers moi. Voilà, on le voit là, le pli qui rentre comme ça, ok. Ah oui, je me suis trompée, c'était celui-là en premier. Alors, hop, je vais y arriver. Hein. C'est vrai que c'est un peu galère quand on n'a pas forcément la colle. Ouais, mais là, je me suis trompée. Celui-là, il va en dessous. Ah ! Mince. Mince, mince, mince. Il est où mon plioir ? Il est où mon plioir ? Hop. Donc voilà, on recommence. Voilà, parce que celui-ci doit tenir en fait. Alors, quand on n'a pas de colle, c'est vrai que c'est un peu chiant, mais vous pouvez tout à fait soit le coller, mais moi je ne collerai pas, je laisserai comme ça. Faire pareil avec ces deux-là. Hop, une fois que j'ai bloqué, je viens. Voilà. Et c'est celui-ci qui va bloquer, je ne sais pas si vous voyez, attendez. Ouais, bon, vous voyez le petit bidule là, il y a une petite ouverture. Donc c'est celui-là qu'on rentre dans le premier, c'est le premier là. Et puis ensuite on va descendre celui-ci comme ça et on va l'appuyer. Il va bloquer du coup mon tiroir. Après ici c'est pas compliqué, hein, c'est le plus simple. On va venir déplier d'un côté et replier de l'autre. Je l'ai fait tomber. Donc voilà. C'est comme quand vous faites des... les bois d'allumettes. Vous les avez déjà fait vous-même. Ah si, je voulais vous dire. Là, il y a un trait de pli. D'accord? Comme quoi, il a été collé comme ça. Donc pensez à le mettre en bas. Pas comme ça. Parce que ici, il se verra sur le haut. Ce serait dommage. Donc vers le bas. C'est juste ça. Hop. On n'est pas mal là. On est pas mal. Donc voilà. Ensuite, moi ce que j'ai fait, j'ai pris ma découpe qui est comme ça là. Qui donne ça. On est censé la plier d'un côté. Il y a des petits marquages là qu'on voit bien. Comme ça. Et il y en a un deuxième, hop, ici. Donc, c'est là, je vous explique, vous pouvez le tamponner et soit tout coller pour l'aplatir réellement, parce que vous avez le choix de soit coller que comme ça, donc en laissant, je ne sais pas si on voit, en laissant comme ça de ce côté et de ce côté, soit vous décidez de tout coller pour changer un petit peu comme ça, tout coller et pour que ça soit à plat comme ça, il n'y a rien qui ressort, c'est comme vous voulez, sauf que moi je n'ai fait ni cette première technique ni la deuxième technique sur celle là que vous voyez ici, d'accord, je vais vous montrer ça. Dans un premier temps, j'ai pris mon cœur que j'ai découpé, que j'ai tamponné. Alors le cœur, c'est celui qui est alors il est comme ça, d'accord. Vous récupérez, voilà, vous récupérez un bout de papier. Vous tamponnez votre cœur dessus. Il n'y a pas besoin qu'il soit grand. Et venir vous positionner pour découper. Comme ça, vous n'avez que le cœur. Ok? Donc là, le cœur, moi, je l'ai collé comme ça ici avec de la colle. Et j'ai mis de la mousse 3D derrière parce que je voulais que ça se surélève un petit peu. D'accord? Donc là, j'avais travaillé sur une chute. Hein, comme ça, on ne perd rien. Hop!
Je mets ma mousse 3D là. Par contre, je vais la mettre en deux fois. Je vais en mettre deux. Parce que je voulais que ça soit bien relevé. L'une sur l'autre. Ouais, elles sont pas mal ces petites boîtes. C'est pratique. Hop. Je vais me coller ici comme ça. D'accord? Donc là, on a vu que c'est tamponné. J'ai oublié de mettre la colle en dessous, mais je vais le faire. Hop. Là, je mets ma colle en dessous. J'appuie un petit peu pour avoir ce petit rendu de ce côté plat et ce côté un peu plus bombé. Ok? Donc voilà. Après, je vais prendre une chute de papier déjà. Ça, je vais le mettre de côté pour le moment. Et je vais venir avec ma découpe, mais découper que l'intérieur. D'accord? Enfin, je peux la découper entièrement, mais je vais en prendre que l'intérieur. Donc, pour ça, je sors ma petite machine. J'ai mis là mes plaques. Hop. C'est pratique la petite machine pour faire ce genre de choses. Allez, on va travailler ça. Je vais la découper. Récupérer cette chute de papier. Voilà, j'ai pas besoin qu'elle soit entièrement découpée. Vous voyez peut-être pas ce que je fais là. Ça bouge sur mon papier. Et voilà. Une fois que j'ai récupéré ma chute qui est là, je vais prendre mes ciseaux. Et je vais couper, alors, premier trait, le deuxième trait. Voilà. J'ai coupé un côté comme ça. Et je vais venir couper ce côté aussi. Voilà. C'est ça qui va venir se coller là. OK? Alors, je mets de la colle. Et je colle ça ici. Une fois que tout est collé, hop, je récupère ma boîte. Et là, si vous voyez bien, j'ai coupé, ici, j'ai coupé un petit bout. Hop, et je suis venue le coller ici, entièrement. Couper un peu plus, même. J'ai laissé juste la petite languette ressortir blanche là. Sauf que là, pour le coup, je vais coller ce côté. Et derrière aussi. Hop, je vais les maintenir ensemble. Voilà. Et je vais mettre de la colle derrière. Donc ici, j'appuie un petit peu en mettant de la colle partout, mais bon. Hop. Et c'est ça que je viens coller comme ça dans un premier temps. Voilà. Pareil. Alors, ce côté, j'ai recoupé parce que je voulais que ça soit. Je vais le recouper. Hop. Après, vous décidez comment vous avez envie de le couper, mais ça permet de jouer en fait avec vos découpes. Voilà, comme ça, je vais le coller. Donc finalement, j'ai recoupé, je mets un peu de colle ici à l'arrière et ici pour le maintenir. Et je n'ai pas collé le petit embout qui est là. Je le laisse sortir, ça irait tout seul. Hop. Donc ça change un petit peu de comment on peut utiliser les étiquettes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hop. Voilà. Bon, j'avais déjà fait toutes mes découpes, comme je vous ai montré au début, avec les techniques que je vous ai montrées, comment les tamponner en deux fois. Là, tout à l'heure, on l'a fait. Après, ils ne m'ont plus qu'à les découper. Alors, est-ce que ça vous plaît? J'ai pas l'impression que vous êtes très très. Est-ce que le projet là vous a plu ou moyen, vous aimez moins la boîte? Voilà. C'est vraiment très ravissant. Moi, j'aime beaucoup. J'ai pas du tout. Je voudrais vraiment prendre le temps de travailler un peu plus. Un peu plus cette collection.
Donc j'espère que j'aurai l'occasion. Comme ça, c'est pas la première que j'ai achetée, c'est sûr. Parce que je voulais d'abord, comment dire, je voulais d'abord travailler avec la collection homme. Mais ça, celles qui me connaissent, elles savent que c'était mon style. Bon, ben du coup, je vais découper la fleur hein, parce que je ne l'avais pas faite en fait. Je ne l'avais pas faite. Je découpe ça. Je raccroche pas la machine parce que là, je prends la grande avec l'aimant. Je suis pas partie, hein. Je suis à côté. Je vous surveille. Il me manque juste une mousse 3D ici. Je trouve ça ravissant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est super joli. J'aime beaucoup. Ouais, elles sont super jolies. Alors, j'avais commencé tout à l'heure, ce matin, à faire le petit album qui va aller dedans. Je ne l'ai pas fini. Je ne l'ai pas décoré. Je l'ai juste. Je vais vous montrer si ça peut vous donner des idées. Je l'ai juste commencé. Donc, il est sur du brouillon. Parce que ça, je l'avais commencé pour là, mais je ne l'ai pas fini en fait. Je pourrais vous redonner les mesures. Ça, là-bas, je voulais le coller dedans. Mais juste par le bas, comme ça. Et le rentrer comme ça. Regardez, c'est pas ravissant comme ça. Le rentrer comme ça. Et quand on le rentre à l'intérieur, Eh ben voilà, ça fait le mini-album dans sa boîte. Sauf que j'ai les mesures, je pourrais vous le mettre sur le tuto. Mais j'ai pas. Parce que ça, c'était mon brouillon en fait. J'ai fait un essai pour voir ce que ça allait donner. Et je voulais absolument la bonne taille. Hop, on tire tout, on tire tout, on tire tout. Et il est vraiment relié par là. Vraiment la languette là. Avec. Et après, il faut le décorer quoi. Mettre des photos, faire ce que vous voulez. Voilà. Eh ben oui, je savais que ça allait vous parler, ça. Sauf que je manque. J'ai plein de choses en tête, mais je manque un peu de temps. J'avoue que c'est le temps qui me manque. Si je le mettais dans ce sens-là, ce serait même plus joli. Avec l'album comme ça ici. Vous adorez. Alors, je peux vous dire tout de suite si vous voulez savoir pour la mesure de celle-ci, parce qu'elle est vraiment juste, juste, hein. Je peux prendre. Ah, je peux vous dire tout de suite, oui et non. Si, je peux vous dire. Et puis, je le marquerai, je ferai un tuto. Alors, j'ai un premier papier donc, qui fait 29,7 par 10. D'accord? J'ai un premier papier qui fait 29,7 par 10. Je vais le mettre comme ça. Et je marque un pli à 6,5, 7,5. 14, 15, 21,5, 22,5 et 29. Donc voilà. Si vous voulez que je répète, dites-moi. Ça, c'est pour le premier papier qui est là. OK? Le deuxième, il est collé en fait. Le deuxième, donc je suis sur du 21 hein, par 10. Et j'ai un premier pli. Alors, je vais me mettre comme ça parce que comme ça, je l'ai dans le bon sens. J'ai un premier pli à 6,5, 7,5, 14. Et le dernier doit s'arrêter à 21. Voilà, je suis venue perforer avec ma perforatrice. On voit bien que c'est le brouillon, celui-là. Et ils sont. Alors, ah si, je me retrouve avec une petite languette. Attendez. Mais le mieux, c'est que je vous le marque sur le tuto. Parce que là, j'ai une petite languette, mais elle ne sert à rien en fait. Hop. Voilà. Et puis après, comme ça me fait des plis. Vraiment. Hop. Hop. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Et ça, vous collerez la petite bande ici à l'intérieur du bas. Là, dans le fond. Comme ça. Et après, il suffit, hop, de l'aplatir pour le ranger. Voilà. Alors, quand on le sort, il aura la petite languette qui va sortir, ce qui n'est pas moche.
Et quand on le rentre, on bosse la languette pour le ranger. Bon, voilà, il n'est pas finalisé, mais vous avez l'idée, hein. Voilà pour les projets d'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est bon pour vous, ça vous a plu. Oui. Vous allez craquer comme moi sur la collection. Sais pas si tout le monde était là depuis le début, donc voici les papiers. Hein. Et la boîte et son album, c'est super, bah oui. Et vous avez. Alors, je vais vous faire le tuto du mini-album. Si j'ai le temps, j'essaierai de le décorer, de le finaliser. Comme ça, je vous le montrerai lundi lors du prochain live. Et puis, on pourra enchaîner, je pense, sur la même collection. Les petits embellissements, là, ils sont hyper mimi aussi. Donc, voilà. Et celles qui n'ont pas vu dès le début, voici aussi les découpes. Ah oui, tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire. Le deuxième papier du mini, là. Là. Hop. Alors, je répète. Je répète. Le premier papier fait 29,7 par 10 cm. D'accord? Donc ici, j'ai un pli à 6,5, 7,5, 14, 15, 21,5, 22,5 et 29. Le deuxième papier fait tout simplement 21 par 10 et un pli à 6,5, 7,5, 14. Et puis après, j'ai perforé. Vous savez, quand vous rentrez la perforatrice, au bout d'un moment, ça s'arrête et vous coupez les bords. OK? Donc là, vous êtes dans les coulisses parce qu'il n'est pas fini. Mais je fais ça si j'ai le temps tout à l'heure. Et puis, je vais aussi prévoir d'autres projets avec cette collection-là qui est sublime. Vraiment, vraiment très, très jolie cette collection. Je vais vous reprendre avant de vous dire au revoir. Je ne bougeais pas. Je retourne le téléphone. Hop. J'essaie que la perche, elle ne se casse pas la tête. Alors, ça vous a plu? Oui. Donc, si vous avez besoin de matériel Stampin' Up, n'hésitez pas à passer sur ma boutique en ligne. Et puis si vous avez des questions pour celles qui ont déjà commandé ou les futures clientes, n'hésitez vraiment pas. Ah oui, une chose, le papier blanc Stampin' Up est sorti, le blanc simple, on l'a désormais maintenant, je l'ai reçu. Je ne vois pas trop trop de différence avec celui qu'on avait avant, à part peut-être qu'il est un peu plus moins fin. Après, chez Stampin' Up, on n'a pas le grammage. Hein, sur les papiers. On a des suppositions, mais on n'a pas le grammage réel sur les papiers. Mais par contre, voilà, y a pas, il ne nous aurait rien dit, on n'aurait pas vu. Hein. Donc, tout ça pour dire que vous pouvez désormais le commander. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi. Je vous fais de gros bisous. Jeudi. Lundi à 21h, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao!